avec la dernière conférence, la dernière table ronde spéculative donc sur le film Wall-E. Alors, c'est vraiment un film où il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de symbolique, il y a énormément de. Il ne parle pas tant que ça du réchauffement climatique, pour le coup, mais les autres sujets qu'il aborde sont pas mal mieux. C'est l'occasion d'explorer les relations homme-machine, d'explorer les relations homme avec sa mémoire. Ça vient beaucoup dans le film. La mémoire qu'il a ou pas, d'ailleurs, la civilisation qu'il avait, de sa relation avec l'environnement. Bref, c'est je pense, beaucoup à dire sur ce que ce film a à dire aussi sur notre situation actuelle et un éventuel futur. Je vous propose donc un petit tour de table pour se présenter et ensuite peut-être chacun note met en avant une note, une pointe de ce qui l'a marqué plus particulièrement dans ce film, donc de science-fiction, mais qui a à dire sur notre présent. Vais commencer par l'extrême droite, pas mon extrême droite. Du coup, Camille Rouge, moi je suis agent public spécialisé sur les questions d'innovation publique. Bonjour, moi j'ai une citation que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, c'est une citation de Carl Sagan qui dit la science est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des seuls savants. Donc moi je suis ni expert ni scientifique, j'ai fait une filière littéraire. Je suis un citoyen lambda qui est archi persuadé qu'il faille se prendre à bras-le-corps toutes ces questions-là et leurs enjeux, parce que ça nous concerne tous et que nous sommes à un tournant de notre civilisation. Et donc, je suis un artiste et je m'emploie à proposer des traductions artistiques de ces questions et des enjeux qui y sont associés. Je suis très honoré d'être parmi vous. Voilà. Je suis Guillaume l'Oublié. Merci de me rappeler. Bonsoir, je m'appelle Franck Celsis. J'aime bien qu'on cite Carl Sagan parce que je suis astrophysicien, planétologue à le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. J'étudie les exoplanètes, les planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Alors ça ne me rend pas très pertinent pour discuter de Wall-E, mais j'aime beaucoup la science-fiction et j'essaie de faire dialoguer les imaginaires et la science depuis des années. Je suis co-organisateur d'un festival sur les imaginaires à Bordeaux qui s'appelle les Hypermondes. Et voilà, on verra où ça nous mène. Ce qui m'a marqué sur le film, je crois que c'était qu'on devait commenter, je ne l'ai pas vu ce soir parce que je l'ai vu récemment avec ma fille qui a 7 ans. Et ça m'avait juste frappé, je n'avais pas remarqué ça la première fois que j'avais vu le film. C'est, si je me souviens bien, à la fin, dans le générique de fin, on voit cette nouvelle histoire qui commence et qui reprend un peu les designs de chaque période de l'histoire. Et ma fille a eu cette réflexion, elle dit, mais alors ils recommencent, ils vont refaire pareil. Et c'est vrai que j'avais pas noté la première fois cette fin qui semble dire, que va-t-on apprendre de cette mésaventure? Bonsoir, Patrick Delcourt. Donc, moi, je suis prospectiviste, c'est-à-dire expert de rien, mais pertinent en tout en tant que béotien assidu. J'espère que ton propos sera effectivement pertinent en tout. Peut-être que justement, on peut commencer par la fin. Il y a quand même une petite nuance que présente la fin par rapport au film, c'est que le rapport homme-machine dans le générique de fin voit les humains et les robots travailler ensemble. Alors que peut-être que dans tout le film, c'est peut-être un peu le point de départ justement des ennuis, c'est que les robots sont dans une logique, pas d'asservissement, mais ils obéissent au doigt et à l'œil, ils suivent des lignes qui sont tracées par terre à tous les désirs des humains qui sont uniquement dans une optique de consommation et qui donc ne sont pas même pas acteurs eux-mêmes de leur destin. Finalement, le seul progrès qu'on peut noter dans leur monde, c'est que plutôt que d'avoir mis leurs déchets partout sur la planète ou autour de la planète, ils le jettent dans l'espace. Voilà, ce qui fait que c'est assez flagrant, c'est que le vaisseau est très propre, qu'ils ont réglé la problématique des déchets, mais les conduits sont très sales et on comprend en fait à un moment, quand on voit où sont, qu'est-ce qu'ils deviennent, les fameux déchets, ils n'ont pas essayé de faire de l'économie circulaire, ils jettent les déchets dans l'espace, mais comme les robots s'arrangent pour que tout soit propre et nickel, personne ne s'en rend compte. En fait, ils ont fait disparaître, on va dire, le problème. Ils n'ont pas solutionné le problème, ils le font disparaître en le jetant. Ce qui induit donc qu'ils ont au moins 700 ans de réserve, ce qui fait des sacrés frigos quand même. Moi, quand j'étais plus petit et que ma mère me demandait de ranger ma chambre, je foutais tout sous le lit.
Et donc, c'est la fuite en avant, ça ne nous apprend rien, ça ne dure qu'un temps. Et j'ai l'impression que les humains du film ont fait sensiblement la même chose, c'est-à-dire que pour solutionner le problème des déchets, eh ben, ils ont quitté la Terre, ils se sont barrés, et le problème n'existe plus puisqu'on ne le voit plus. Vous parliez des robots qui, enfin non, oui, des robots qui suivent des lignes précises, prévisibles, etc. Mais les humains aussi, et donc en fait, je trouve que les humains dans ce film sont vachement marqués du saut de la prévisibilité, l'imprévu, l'accident est vécu comme un bug, alors que dans nos vies, bon, bah, c'est les rencontres, les collisions accidentelles qui font nos histoires, des histoires passionnantes, tout ça. Et les humains, par leur sortie de leur aliénation à la fin du film, reprennent goût à la vie et retrouvent le vivant, entre guillemets, en eux, justement, en sortant un peu des lignes, en se touchant, en se hissant sur leurs jambes, etc. etc. Donc, c'est ça aussi que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fois les robots sont en pleine révolution, mais aussi les humains. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le rapport à l'eau, pour le coup, ils ont quitté une planète un peu désertique. Bon, on se doute qu'il y a encore des océans et encore des mers, mais même l'eau qu'ils ont sur le vaisseau, ils se rendent pas compte de l'existence de l'eau, parce qu'ils sont visiblement, ils sont à côté d'une piscine dont ils n'ont jamais compris l'existence, parce qu'en fait, ils sont le nez sur leurs écrans en permanence. Et donc, on n'est pas dans du Ready Player One, on n'est pas dans du métavers, mais c'est tout comme, puisque en fait, visiblement, de toute leur existence, ils ne lèvent pas le nez de leur écran. Et quand bien même, ils seraient dans un univers un peu paradisiaque, façon Club Med, d'ailleurs, il y a des moments, il y a des terrains de tennis. En fait, on a créé un Club Med dans l'espace. Et même ça, ils s'en sont affranchis. C'est-à-dire qu'ils ont visiblement, à un moment, plus envie d'aller à la piscine, plus envie d'aller... La notion même de loisir impliquant le corps a disparu. C'est juste des loisirs purement virtuels. Et c'est ce qui les rend, d'une certaine manière... Alors si, le loisir de manger des pizzas et de manger de la bonne bouffe, ça, c'est resté. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a les... on distingue vachement les besoins... Enfin, comment dire? Dans le film, on a l'impression qu'ils sont en autosuffisance, qu'ils ont tous les besoins qu'ils pourraient avoir sont en permanence comblés, et ce sont des besoins que la société de consommation leur dicte. Et on voit à la fin du film qu'ils ont besoin pas uniquement de porter la tenue bleue parce que la pub le leur demande, leur propose, ils ont besoin de coopération, de projets collectifs, de danse, de machin, de tendresse, etc., d'amour. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans le film? Non, c'est un peu pareil, cette aliénation totale, effectivement. Enfin, tu parlais de bonne bouffe, mais même pas. Enfin, ils boivent des sodas, des trucs gras. Enfin, il n'y a rien qui a l'air... Les pizzas. Ils pensent même que les pizzas... C'est vraiment l'image de l'enfer pour moi, cette société, quoi. Oui, mais un enfer où les gens sont heureux. Alors, c'est un enfer aliénant, mais... Par contre, confortable, je pense, oui, plus qu'heureux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'évocation de bonheur, il n'y a pas d'évocation de plaisir. La bouffe, quand on parle de pizza... En BNL, la vie est belle. Alors, bonheur, il est là, le bonheur tient en un slogan. BNL, c'est un sujet, hein. Ça reste une entreprise totale, sans mauvais jeu de mots, quoique. Justement, c'est une société, on le voit, qui fait de l'énergie, et ils font du pétrole, c'est visible. On a des tankers, on a des transformeurs, on a les transports, on a la santé, on a l'hôpital. BNL est une entreprise qui fait tout avec une grande concentration, donc il y a un message. Elle promet même de s'ouvrir bientôt un centre commercial sur la Lune. Et accessoirement, c'est une entreprise qu'on retrouve dans Toy Story, dans Cars, qui existe au-delà de cet élément-là. Et effectivement, elle ne propose pas le bonheur, elle propose l'anesthésie. C'est-à-dire que le soda est à disposition. Il n'y a pas un personnage dans le film qui prend plaisir au soda. C'est un peu l'évocation de l'absence du manque qui donc ne va pas pouvoir permettre de satisfaire un désir puisqu'il n'y a pas de désir, puisqu'il n'y a pas de manque. Oui, c'est une société de réflexe, en fait, de consommation par réflexe. Et ce qui est assez frappant, mais c'est un peu le fil conducteur un peu de tous les films avec Blade Runner hier, etc. C'est toujours cette notion de mémoire, en fait. Et là, pour le coup, c'est aussi une société qui n'a plus la mémoire de ce qu'elle a été. Elle n'est que dans le temps présent. En fait, et même pas un temps présent, une forme de jouissance du présent épicurienne. C'est juste une consommation du présent. Alors, est-ce que c'est de la survie
ou est-ce que c'est une espèce de vie ramenée au ras des pâquerettes? On peut pas vraiment dire. Alors, ce qui est intéressant quand on imagine le cerveau humain, c'est très mal apprécier les chiffres. Par exemple, quand on promet une apocalypse à l'humanité, il faut arrêter de déconner, quoi. Quand il y aurait un virus qui tuerait 90% de la population, il resterait 1 milliard de gens. Il tuerait 99% de la population, il en resterait 100 millions. Et en fait, le seuil pour avoir non, pas une race, mais une espèce qui naît, c'est 10 000 personnes. Donc, d'une certaine manière, on en est là, en fait. C'est-à-dire que si on considère que c'est le seul vaisseau qui a réussi à partir, veut dire que c'est un vaisseau d'à peu près 10 000 personnes, je pense. On est revenu au point de départ, véritablement, de ce qu'on peut faire. Alors, en théorie, c'est la question qu'on peut se poser, justement. Ils n'ont pas voulu essayer de coloniser une autre planète, en fait. Ils restent, malgré tout, dans une optique de recolonisation, qui finissent pas que la BNL finit par abandonner elle-même. Mais à aucun moment dans le film, il y a justement ce qu'on aurait pu attendre d'un film de science-fiction, qui est, bah, on cherche, puisque visiblement ils ont les moyens d'explorer la galaxie, de chercher une planète de rechange, et ça, ils ne le veulent pas, en fait. Alors, c'est peut-être la BNL qui n'a pas son intérêt à ça, par exemple. Pardon, je suis très bavard, faut m'interrompre, faut m'arrêter. Mais ils partent pour 5 ans. Ils disent que c'est le 700e anniversaire du voyage quinquennal. Au départ, ils partent juste le temps qu'on fasse le ménage. Il n'y a pas une intention, justement, il n'y a aucune intention des humains. Ça Parce rejoint qu'ils ce que sont vous disiez avant. totalement passifs, en fait. Ben Ils ouais, c'est attendent. ça, mais c'est enfin, mais pardon, mais si on fait un lien avec notre société actuelle, enfin, je veux dire, il y a Bruno Patino dans son bouquin La civilisation du poisson rouge qui parle très très bien de comment les réseaux sociaux et les plateformes numériques parviennent à capter notre attention. Et vous parliez de société de présent, du réflexe, c'est exactement ça. Juste pour un exemple, il parle du phénomène de récompense aléatoire, et c'est le même principe que les jeux de casino, c'est-à-dire que sur la timeline enfin, dans les jeux de casino, tantôt on gagne, tantôt on perd. Et vous, quand vous gagnez, enfin, quand il y a un voisin qui gagne, vous le voyez gagner. Bon, et sur la timeline de Facebook ou d'Instagram, c'est la même chose. Tantôt, vous allez tomber sur une vidéo ou un contenu qui va super cool, qui va vous intéresser, et tantôt, un truc complètement débile. Bon, et c'est cet aspect aléatoire qui fait qu'on reste et on a notre attention captée, et on perd du temps, ou on perd du temps, en tout cas, on l'utilise à cela, à cette recherche de ce contenu génial. Ajoutez à cela toutes les données personnelles qu'on collecte de plus en plus. On sait de plus en plus comment, enfin, ce qui vous étonne, ce qui vous éblouit, ce qui vous intéresse, et on sait de mieux en mieux comment jouer avec ce qui vous faire plaisir, quoi. Et plus cela, il y a aussi, il parle de tous les dispositifs sur les plateformes numériques qui proposent des vidéos. Ce dispositif selon lequel on va mettre automatiquement la vidéo suivante choisie par l'algorithme. Et donc là, on exploite à fond encore plus la passivité de l'utilisateur, on capte son attention, et ça me fait penser aux humains qui ont le visage scotché à leur écran, et qui l'écran qui leur offre une vie par procuration, quoi. Oui, non, pour la question de l'autre planète, je pense que c'est simplement pas le sujet du film. Il y a d'autres films qui évoquent ça, mais je pense que là, c'est pas le cas. Ce que je trouve intéressant dans le film, c'est un film autour du déchet en grande partie. Et c'est une des caractéristiques de l'homme et de l'humanité, le déchet, en tout cas dans la société humaine. Si vous vous promenez en nature, dans un endroit où l'homme n'a pas une empreinte trop marquée, il y aura des déchets partout, des déchets naturels, des déchets des animaux, des déchets des plantes, etc. Mais vous ne les verrez pas comme des déchets parce qu'ils font partie d'un écosystème. Ils font partie de quelque chose qui est le déchet de l'un n'est pas du tout un déchet pour l'autre. Et nous, si vous voyez un déchet dans cet environnement-là, ce sera probablement, certainement, un déchet humain, une canette, un papier, quelque chose qui vous dira, ah tiens. Et on n'a jamais eu jusqu'à présent, enfin, on a mis beaucoup de temps à considérer que ben, on devait fonctionner sans déchet. Le déchet, ce n'est pas un concept qui aurait dû s'installer normalement. Si on avait été dans la même logique, tout produit, toute innovation, on aurait dû se dire, qu'est-ce que devient ce qu'on fait? Tout ce que l'on produit, nos déchets corporels, nos déchets industriels, etc., dans quoi ils s'insèrent? On a évité cette question simplement parce qu'on pensait qu'on avait un espace et des ressources infinies. C'est-à-dire qu'on pouvait définir un ailleurs, on y met, ça ne nous concerne plus, et puis on n'a pas de toute façon pas besoin de penser à quelque chose de cyclique, parce que ce dont le bois, on va abattre d'autres arbres, etc.
Et il a fallu arriver justement au bord de ce, au bord de ce, de cet ensemble, d'une Terre finie. Et peut-être que là, les astrophysiciens, c'est une évidence pour eux. Elle est peut-être moins évidente pour quelqu'un dans la vie de tous les jours. Mais la Terre, oui, c'est un objet de taille finie qui a, selon ses éléments, une certaine composition. C'est des éléments qui sont très rares, des éléments qui sont très abondants. Et ceux qui sont très rares, ben, il faut penser à les inclure dans un certain cycle. Voilà, moi, c'est ça que, surtout que m'évoque ce film, c'est cette... C'est simplement voilà, ce qui se passe au bout quand on oublie la finitude de la Terre. Et qu'on ne se pense pas comme partie intégrante d'une biosphère, d'un écosystème. On se suppose différent, privilégié. On n'a pas à fonctionner comme le reste de la biosphère. Et ça, c'est notre... C'est le clou dans le cercueil, ça. C'est de ne pas réaliser ça. Alors, ce qui est aussi intéressant dans le film, c'est que ça montre quand même une civilisation qui maîtrise l'énergie, pour le coup, qui n'a pas de problème énergétique, parce qu'elle peut aller à nouveau à l'autre bout de la galaxie, elle a le moindre robot a des capacités de destruction massive sans aucun problème. Donc alors, on ne sait pas si c'est une civilisation de l'atome, on ne sait pas en fait, mais on sait en tout cas que c'est une civilisation qui a su maîtriser l'énergie quasiment à la perfection. Mais par contre, un peu comme dans Interstellar, a été incapable d'empêcher la Terre, en fait, organiquement, de mourir et que la Terre devienne stérile, en fait. C'est un peu, il y a un peu un parallèle avec Interstellar, justement, où dans Interstellar, ils disent à un moment, on n'a plus besoin d'ingénieurs, on a besoin juste d'agriculteurs, en fait. Ce qui ne sert plus à rien, parce que de toute façon, la Terre est en train de mourir. Et on a l'impression que là, ils ont fait le même constat, c'est que de toute façon, la Terre est en train de mourir et qu'on ne pouvait pas la sauver. Donc la seule solution, c'est la fuite. D'ailleurs, ce qui est aussi le cas dans Interstellar, il parle de fuir. Donc c'est aussi ça le thème du film. C'est la fuite face à... Alors qu'on a quand même, entre guillemets, le feu prométhéen, on maîtrise l'énergie, on utilise cette énergie, non pas pour revitaliser ou essayer de trouver des solutions pour revitaliser ou réparer ce qu'on a abîmé, on fuit parce que là, il y a un dépérissement de l'endroit où on est. Oui, et enfin, ce que je veux dire, moi, je pense que la question du film aussi, c'est, enfin, comment dire, c'est-à-dire que oui, effectivement, moi, ce qui me frappe, c'est que les humains ont été capables d'aller coloniser un autre territoire dans l'espace, mais qu'ils n'ont pas été capables de régler leurs problèmes de déchets sur Terre. Mais est-ce que c'est une question de moyens? Non, puisqu'ils ont pu aller dans l'espace. Donc, c'est une question de motivation, de choix. Comment dire, je pense que ce que le film pose comme question aussi, c'est que ce n'est pas une question de moyens d'écologie, je pense que des moyens, on en a plein les tiroirs, mais c'est comment faire pour que l'écologie, pour que sauver la Terre soit notre priorité, soit devienne notre axe central de politique, que ça devienne vraiment le sujet majeur qui nous préoccupe, quoi. Est-ce qu'on est capable, est-ce que vous seriez capable de sacrifier votre mode de vie? Parce que ce que les humains, dans le film, ont fait perdurer, pérenniser, c'est pas la Terre, c'est leur mode de vie. Et ils ont déplacé finalement leur mode de vie qu'ils avaient sur Terre sur un autre système, quoi. Est-ce qu'on est capable de sacrifier notre mode de vie actuel? C'est pas facile, hein. Et, au niveau des tentatives, les déchets, effectivement, c'est central. On a les déchets spatiaux. On commence en traversant les déchets spatiaux. On y retrouve à la fin aussi quand on retourne sur Terre. Mais les éoliennes, on voit tout un tas d'éoliennes qui sont posées sur des montagnes de déchets. Il y a aussi le côté de la saturation et de l'absence d'idées. Pour moi, un des cœurs du film, c'est que... je parle à l'artiste qui est en toi. C'est qu'en fait, il n'y a pas... Personne ne crée rien. Il n'y a que Wally qui crée quelque chose. Wally prend des objets, il essaye de faire du beau, il essaye de faire du mignon. Les humains qui sont dans le vaisseau consomment, posent, font rien. Les robots gèrent, mais il n'y a qu'une personne qui crée. En fait, Wally prend ce qu'il a de plus qu'humain pour essayer de devenir humain, alors que les humains oublient d'être humains. Le film pose une vraie question sur ce que c'est que l'humanité.
On la pose sur le transhumanisme en disant ben, jusqu'où est-ce qu'on reste humain si on se rajoute un bras, une fausse jambe, etc. Des questions que tu évoquais lors de ton spectacle tout à l'heure. Et on pose cette question de la limite, à quel moment est-ce qu'on sera encore humain? Est-ce que si on a notre mémoire sur une clé USB, c'est l'humanité? Et là, le film, il pose la question complètement inverse, c'est-à-dire que le plus humain, c'est le robot. Et les humains qui oublient d'être, finalement, ils sont pas humains. On les voit commencer à revivre à partir du moment où ils arrivent dans ce qu'ils considèrent les bugs et où ils recommencent à se toucher, à réagir, à observer. Enfin, clairement, la question de qu'est-ce que c'est être un humain, même quand vous parliez effectivement de la question des déchets, je trouve que ça se pose aussi en ces termes, c'est-à-dire que si on considère un humain, par exemple Ray Kurzweil, un pape du transhumanisme, le pape du transhumanisme aux États-Unis, définit l'humain comme étant une intention qui va toujours plus loin, qui dépasse toujours plus les limites. Ok, mais si on part comme ce que j'ai cru comprendre de ce que vous disiez, si on rappelle que l'humain, c'est aussi un individu qui vit avec des individus et en bonne harmonie, en bonne intelligence, aussi avec un environnement, et donc en conscience que cet environnement est fini, etc., bon, bah, c'est une autre définition de l'humain. Voilà. Presque ce qui définit peut-être aussi l'humain et qu'il n'y a plus, c'est là, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'en gros, les humains sont plus du tout curieux. Le capitaine sait même plus ce que c'est qu'un livre. Il redécouvre un livre en se disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Curiosité, envie, désir, Oui, voilà. loisir, Même mémoire, physique. histoire. Enfin, moi, je suis choquée qu'il ait tout oublié. Enfin, les humains se sont rien transmis sur ce qu'était la Terre, sur ce qu'était la culture, la civilisation. C'est assez frappant. Et puis, il décide. C'est le commandant arbitrairement qui dit, OK, on repart sur Terre, mais il n'y a pas de choix collectif. Il y a pas de, vraiment pas de société, quoi. Ce qui est intéressant enfin, une chose qui est intéressante dans le film, c'est que dans la science-fiction, souvent, quand vous faites un voyage dans l'espace où vous voulez aller vers le futur, il y a beaucoup de livres dans science-fiction, on attend, on veut laisser passer du temps et on veut atteindre un futur, on se met dans une forme de stase, d'hibernation. Et c'est ça qu'ils font finalement. Ils ne font rien de spécial. Simplement, ils ne sont pas dans une hibernation. Ils sont dans une stase qui ne produit rien, ni de culture, ni de sciences nouvelles, ni de questionnement. Et la force du film, c'est de dire, ben, cette stase-là, pas si éloignée de notre mode de vie et de nous faire réfléchir à ça. C'est finalement, on est en stase. C'est-à-dire que on n'a pas le contrôle sur et on passe une grande partie de notre vie de façon passive, à absorber des films, des séries, des livres, ce qui est partie intégrante de notre culture. Mais à un moment donné, la phase où, quand est-ce qu'on régurgite ça pour en faire quelque chose, pour changer les choses, elle est absente. Et donc, moi, je trouvais ça très fort dans ce film, très malin, de se dire, ben, c'est 700 ans, ça pourrait être 7 millions d'années, il ne se passe rien. Et finalement, comparons ça à notre vie. Alors, oui, ça nous fait rire. Parce que tout est poussé à l'excès. Et cet excès, il n'est pas non plus. Voilà, ils sont un peu plus gros, un peu plus poussifs, un peu plus végétatifs, mais pas tant que ça quand même. Puis la question du corps, enfin, les humains du film, ils sont trop, ils bougent pas, ils font l'économie du moindre geste, ils sollicitent leur robot pour la moindre tâche, ils sont l'esprit scotché à l'écran. Et ce corps, en fait, on a l'impression, si on extrapole un peu et si on avançait dans le temps, on pourrait s'imaginer que ce corps serait voué à disparaître, enfin, vu qu'il est vécu comme gênant, pesant et inutile, quoi. Or, vivre, c'est vraiment s'engager avec son corps. Dans le réel, alors être au contact du monde sensible, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quand la femme découvre qu'il y a une piscine. Bon, quand ils se touchent la main tous les deux, quand ils rééprouvent des émotions, c'est vraiment cette différence entre la vie et la survie dans ce film. Je trouve qu'elle est très nette, mais elle est belle, quoi. Oui, puis on constate aussi, c'est amusant comme ce film est quand même assez visionnaire, d'un appauvrissement du langage. Et que finalement, il y a très peu de phrases dans le film. Alors c'est normal que Wally fasse pas des phrases ou que Ève en fasse très peu, mais même les humains, en fait, le langage se fait par émoticônes d'une certaine manière, par stop, c'est une main, une plante, c'est un dessin de plante. Alors, à part le capitaine qui tape la discute avec le, je sais pas comment il s'appelle. Auto, il y a très peu de. En fait, les gens, on est plus proche du symbole, de l'onomatopée. Il y a très peu de verbes. C'est un film très verbeux, très peu verbeux.
d'une certaine manière. C'est assez proche de ce qui se passe aujourd'hui, finalement, où on réduit de plus en plus en 140 caractères, voire même moins, parce que maintenant, même les GIFs sont considérés comme un truc de boomer. Donc, on se réduit vraiment de plus en plus. Et c'est aussi un film où, finalement, là, il y a une économie. C'est pas une économie, en fait, c'est une fainéantise de parole où on ne se communique plus que par symboles et par mots. Je cherche même plus à faire des phrases assez longues. La salle peut réagir, hein, évidemment. Vous pouvez participer, faire vos commentaires sur le film, ce que vous en avez ressenti ou ce que vous pensez qui pourrait peut-être se réaliser, parce que c'est quand même le sujet de la conférence. Qu'est-ce qui pourrait, si on se lance un peu dans de la spéculation justement, si quelque chose du film devait, à votre avis, se réaliser, ce serait quoi? Pardon de rebondir là-dessus, mais justement sur ce que vous disiez juste à l'instant, l'économie des mots, etc., puis l'appauvrissement du langage. Alors, c'est pas pour faire genre, ouais, la technologie c'est nul, etc., mais n'empêche que les humains du film délèguent énormément de tâches aux machines, et nous le faisons aussi, et de plus en plus. Et en déléguant des tâches aux machines, eh ben, on se rapproche d'elles fatalement, parce qu'on les crée, on les entretient, on passe par elles pour leur demander de faire ce qu'on leur demande. Et bref, en utilisant une machine, eh ben, on adopte quelque part leur comportement. C'est Jean-Michel Beignet qui dit ça très très bien dans son bouquin Le syndrome d'une touche étoile, l'homme simplifié. Il dit que si les machines simplifient nos vies, elles nous simplifient aussi d'une certaine manière. Parce qu'en les utilisant, nous conformons à leur propre logique, à leur propre fonctionnement, dépourvu d'ambiguïté, d'émotion, de complexité. Et donc, effectivement, bah, cette espèce de vie un peu algorithmée, avec très peu de mots, très peu de langage, très peu de complexité, d'ambiguïté, tout ça, bon, bah, tout ça s'effrite. Parce que fatalement, bah, on est dans un monde de plus en plus numérique, où le numérique, c'est des mathématiques, c'est beaucoup moins fin, beaucoup moins raffiné, beaucoup moins riche, dense que la parole, que l'échange. D'ailleurs, on les voit, les humains, ils échangent à travers des écrans interposés, mais y a-t-il vraiment échange? Et c'est Philippe Breton, pour le coup, là, qui parle très bien dans l'éloge de la parole, de tout ce qui implique une prise de parole, et que l'échange, bah, ça implique le corps. Je ne dis pas que quand... on est en fauteuil roulant, on ne peut pas parler, on ne peut pas échanger. Non, mais quand je parle de corps, je parle de sens, je parle de contact avec le monde sensible. Voilà. Je pense que voilà, cette espèce de délégation des tâches aux machines, c'est ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus. Voilà, pour répondre à prolonger votre réflexion, votre question. À ton avis, si quelque chose, alors même si ce n'est pas un futur souhaitable, qu'est-ce qui pourrait bien se produire, qui est prédit par le film, qui va se produire véritablement? Bah moi, je pourrais dire, quand je voyais là, les montagnes de déchets, etc., ça me faisait penser malheureusement à des scènes déjà vécues. Hein. On sait qu'on se déverse nos déchets beaucoup dans les pays du Sud. Et moi, j'ai vécu au Sénégal, à Dakar, des montagnes de déchets, j'en ai vu. Je me suis déjà baignée ou j'ai déjà surfé avec des sacs en plastique autour de moi, etc. Donc pour moi, c'est des images malheureusement qui ne sont même pas imaginaires. Alors, je vais essayer de parler doucement parce que c'est un de mes défauts, je parle assez vite. J'ai pas vu le film parce que j'étais sur la conférence sur Odon. Moi, ce que c'est pas juste, hein, on va vous parler moi, ce que j'ai vu ailleurs. Moi, j'ai envie de faire un effet de symétrie, en fait. Ce film-là, ce qui me fait dire aujourd'hui, c'est que déjà, de base, pour moi, on se trompe de cible. On dit l'écologie, c'est sauver la planète. Il ne faut juste pas oublier que la planète, elle a vécu, je crois, cinq extinctions de masse, si, cinq extinctions massives, pardon. Elle a survécu à la disparition des dinosaures, elle a survécu à plein de disparitions. Et je pense que la prochaine disparition, ce n'est pas les gens du Sud. Hein. S'il y a une espèce qui est en danger aujourd'hui, c'est une espèce de carbonée qui s'appelle l'homme. Et voilà, il ne faut juste pas dire, je fais de l'écologie. Pour sauver la planète, je fais de l'écologie, pour sauver mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et puis les générations futures. Ça, c'est la première chose. Et l'effet de symétrie que j'évoquais, c'est qu'aujourd'hui, si demain. Alors là, on voit un robot qui est, comment dire, isolé sur une planète qu'on a polluée et qu'on pollue aujourd'hui de jour en jour.
Et que nous, eh ben, on s'est barré. J'ai souvenir des scènes, ouais, où on part. Alors, faut juste, alors, le monsieur là, qui est astrophysicien, me contredira peut-être, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'exoplanète qui pourrait nous accueillir. On est incapable de décoller de notre planète. Donc, l'effet de symétrie, c'est plutôt que nous, on est sur le tas de déchets. Et Wally me fait penser. Alors, je suis moi, il y a une expédition qui me passionne, c'est l'épopée des Voyageurs. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui va survivre à l'homme, c'est Voyageurs. Enfin, aujourd'hui, on a une sonde Voyageurs qui est partie en dehors de la, comment dire, de notre système planétaire. Cinq sondes. Cinq sondes. Alors, voilà. Deux Voyageurs, deux Pioneers et New Voilà, Horizons donc qui sortent du aujourd'hui, système solaire. ce qui va survivre, c'est pas un Wally qui va suivre un homme. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est pas l'homme qui va survivre au robot, c'est le robot qui va survivre à l'homme, en fait, aujourd'hui. La vraie problématique aujourd'hui, c'est pas de sauver la planète. La planète, c'est un bout de, enfin, c'est du granit, quoi. Enfin, faut arrêter d'être présomptueux, quoi. On n'est pas carboné, de regarder bien ce qui va nous arriver. Enfin, aujourd'hui, on sort d'une période de crise majeure. Ben, je veux dire, la planète, elle n'était pas en danger, elle, hein. Je veux dire, Il faut quand même préciser quand l'expression sauver la planète, c'est sauver voilà. notre habitat. C'est pas sauver. Mais oui, mais est-ce qu'on parle quelque part? Mais là, je pense que personne ne l'avait dit dans cet angle-là. Voilà, donc c'est ça que je voudrais qu'on soit Mais ça, je crois d'accord. que c'était Non, mais je un voudrais que. débat des années 80, ça, Ouais, l'idée. mais est-ce qu'on en est bien conscient quand vous parlez à 80% de la population aujourd'hui, sauver la planète? Vous êtes pensé que les gens sont là en train de se dire, bah oui, c'est nous sauver moins? Ben oui, je crois que c'est ça le débat Bah, je serais curieux de depuis. savoir ça, justement. Enfin, justement, va de. J'ai pas le sentiment que les gens, quand vous dites je vais faire Vous du sort. pensez que les gens, ils se préoccupent de quoi, en fait, Ben, ils par se rapport à préoccupent de ça? leurs déchets, du tri de leurs déchets, mais je pense pas qu'ils se poussent la réflexion au-delà de se dire ben, on pourrait être la sixième extinction, on pourrait disparaître. Ah bon, Je pense d'accord. pas. Ouais, voilà, je sais pas. Il faudrait Mais penser. vous, c'est parce que vous pensez ça. Vous pensez que c'est l'écologie a pour but de permettre à l'homme de persister, Ah mais d'exister. tout à fait. Oui, Donc bien sûr. c'est pas vous qui pensez ça. Vous pensez que les autres pensent autrement, c'est ça? Globalement, je pense que oui. Je pense que globalement, aujourd'hui, quand vous vous interrogez, allez, je veux dire gentiment, 80% de la population, enfin, allez, vous faites un sondage dans la rue, je serais très curieux de savoir qu'est-ce que pensent les gens. Et qui vont pas dire, ah oui, mais dans un pays étranger, c'est sale. Mais c'est sale partout déjà. Hein, du plastique, on en a partout. Moi, j'étais cet hiver sur les plages anglaises, c'est aussi dégueulasse que sur les plages africaines. Je suis désolé, mais non, vous n'avez pas surfé dans du plastique. En Afrique, vous avez surfé dans le plastique, dans des microparticules de plastique sur nos belles côtes françaises. Enfin, je veux dire, voilà, y a aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait un peu l'autruche, quoi. Enfin, juste voilà, et que quelque part, sur notre tas de fumier, comme on sait bien faire, cocorico, et puis le monde entier se voile la face. Je suis désolé, on se voile la face. Mais non, mais vous n'allez pas être désolé. Enfin, on se voile la face depuis très longtemps. Moi, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. Depuis que je suis tout petit, j'ai des bouquins qui m'expliquent qu'on est en train de s'autodétruire par notre effet sur le. Donc, ce que vous me dites, moi, j'ai toujours vécu avec ça. J'ai un bouquin de 1970 qui décrit toutes les formes d'agression de l'environnement, qui commence même à parler du problème de l'effet de serre et du CO2, puisque les travaux là-dessus datent de 65-67. J'ai fait des études de climatologie dans les années 90 où on sortait de la crise de l'ozone. On avait une forme d'optimisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone qui se formait. On avait compris comment il se formait. On avait proposé une solution. Cette solution avait été mise en œuvre. On a donné un prix Nobel. On a mis la solution en œuvre. Et bien sûr, on savait que les deux grands problèmes à venir, c'était le réchauffement, le dérèglement climatique. Et l'extinction massive de la diversité, on avait bien sûr ce sont le problème, c'est que ce sont des tâches prodigieusement plus compliquées que le problème de finalement de la couche d'ozone qui pouvait se régler industriellement assez simplement. Donc moi j'ai toujours vécu ça et bien sûr quoi, enfin on est là ici dans cette salle parce que on a un problème d'autruche, on a un problème que les politiques évitent ces questionnements. On a toute une structuration de la communauté scientifique pour faire des rapports style GIEC, pour donner l'état de cette dégradation. Ça, c'est pour l'aspect climatique. Il va y avoir un rapport qui va arriver maintenant aussi sur la biodiversité, qui est un problème encore plus grave et qui est lié, qui n'est pas déconnecté. Donc, le discours que vous dites, mais attention, l'écologie, ce n'est pas juste pour sauver les arbres et les pandas et les ours polaires, c'est pour nous sauver, nous.
Alors oui, si vous me dites que les gens, ils n'ont pas compris ça, je ne sais même pas de quoi on discute là, parce que moi, j'entends ça depuis que j'ai 5 ans, quoi. Après, la différence, peut-être aussi que... Ah mais oui, ça, je suis bien d'accord. Qu'on peut pas, en fait, on caricature clairement. Il y a une grosse confusion entre environnement et climat. La prise de conscience environnementale dans tout ce qui concerne la pollution, elle est faite. Voilà. Alors on peut dire qu'il n'y a pas assez de déchets, etc. Mais voilà, le Pékinois qui se mange son brouillard de pollution et qui a une perte de niveau de vie, il meurt à 50 ans, il le sait. Donc il y a une prise de conscience sur l'environnement, les agressions qu'on fait contre l'environnement. Par contre, le dérèglement climatique, disons-le, les gens s'en foutent. Parce qu'il y avait une phrase très intéressante qui consistait de quelqu'un qui avait dit, et c'était très pertinent, si le dérèglement climatique avait consisté à se refroidir, là, on aurait eu conscience. Parce que qu'on ait plus froid, c'est très embêtant. Mais comme là, il fait plus chaud, honnêtement, intuitivement, c'est pas grave qu'il fasse 2, 3, 4, 5 degrés. Alors, c'est grave, parce que je dis bien sûr. Mais intuitivement, sensoriellement, dire à quelqu'un, tu sais quoi, il fera 3 degrés de plus dans 50 ans, c'est normal qu'il n'en prenne pas conscience. Pour lui, c'est pas grave. C'est même plus cool. Parce qu'il fasse plus chaud, c'est quand même plus sympa qu'il fasse plus froid. Donc effectivement, sur les questions climatiques, la prise de conscience, elle n'est pas faite parce que ce n'est pas du tout quelque chose d'intuitif. Et en plus, c'est du long terme, etc. Par contre, la prise de conscience environnementale, pollution, déchets, etc., on peut quand même considérer que c'est le jour et la nuit par rapport à, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait en 40 ans. Le monde d'il y a 30-40 ans était beaucoup très, 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 très éloigné en matière de gestion de la pollution, des déchets, etc., de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, mais comme aujourd'hui, c'est le sujet climatique qui domine tout le reste, on s'imagine que parce que les choses n'avancent pas assez vite dans le domaine du climat, elles n'avancent pas assez vite dans le reste. Et vous voulez dire que c'était pire du point de vue de la gestion, par exemple, de la pollution Largement, oui. Donc l'océan de plastique, par exemple, non, qui grossit. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de réglementation. D'accord, mais prenons le concret. L'océan de plastique, par exemple, le continent de plastique dans le Pacifique, il grossit, continue de grossir. Bien sûr, bien sûr qu'il donc grossit. Donc, qu'est-ce qui va mieux de ce point de vue-là On parle de prise de conscience. Oui, mais qu'est-ce que ça change enfin, je veux dire, Ça change sacrément. Parce qu'en fait, je suis désolé, notre environnement, il est largement moins pollué qu'il ne l'était. Ah bon Je suis heureux de l'apprendre. On aime la série Cosmos, par exemple. La série Cosmos, il y a tout un épisode sur comment est-ce qu'on a supprimé l'essence dans le plomb. La situation était apocalyptique avant, parce qu'il y avait... ceux qui faisaient justement du plomb dans l'essence, il y avait du plomb partout. Dans les années 50-60, on mettait du plomb partout parce qu'on trouvait génial et les gens massivement étaient atteints de saturnisme. Et on a découvert, c'est la série Cosmos, tout un épisode là-dessus, Clay Patterson, personne ne l'a écouté. Pour le coup, il y en a quand même certains scientifiques qui se battent pour faire découvrir la vérité. Si vous avez dans toutes vos stations-service SP quelque chose, donc sans plomb, c'est parce qu'un type, un jour, a découvert qu'il y avait une contamination massive de toute la population, alors américaine, parce qu'il était américain, au plomb. Et aujourd'hui, il n'y a plus de plomb. Donc, et les normes environnementales en matière de pollution, elles sont drastiques. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Il y a des domaines dans lesquels, évidemment, comme on est 10 milliards, alors qu'avant, on en était 1 milliard, on pollue plus. Oui. Il y a des domaines comme le réchauffement climatique où on ne va pas assez vite. Mais heureusement, il y a d'autres domaines, dont les réglementations en matière de pollution, où heureusement, on a fait des progrès. Alors après, pas dans tous les pays, pas partout. Moi, j'ai mon père qui a été maire. Je peux vous raconter qu'en 20 ans, la réglementation, les réglementations environnementales, elles ont été multipliées par, je ne peux même pas dire. Mais... Donc heureusement qu'il y a eu une prise de conscience. Mais c'est vrai que la prise de conscience, au début, concernait essentiellement la pollution et la biodiversité. Puis le réchauffement climatique, etc. Ça, on commence peut-être tout juste à comprendre que tout ça, c'est lié, effectivement, et que le réchauffement climatique est lié à la biodiversité, alors qu'avant, peut-être qu'on s'est focalisé d'abord sur la pollution et peut-être aussi sur les déchets, et qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était un problème beaucoup plus global. Enfin bon, là, je parle tout seul, désolé. Moi, je pense qu'on n'a pas du tout réglé le problème des déchets. Hein. C'est un petit leurre. Moi, je suis un peu plus âgé que monsieur et j'ai 57 ans, j'ai passé mon bac en 83 et à l'oral d'éco, j'avais dit à l'examinatrice qu'il ne pouvait pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Et c'était en 83. Je suis un peu un art, donc. Et elle m'a dit, bon, écoutez,
Je vous mets une bonne note. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous faites un raisonnement logique. Non. Et en 83, j'étais conscient de ça parce que j'avais déjà lu, par exemple, Charbonneau. J'avais déjà lu Le Printemps silencieux. J'avais lu, j'étais tombé sur quelques numéros de La Gueule ouverte. Donc voilà. Et pour moi, ben, on fait quoi pour, par exemple, comment on règle les déchets? Par exemple, comment on règle nos problèmes des déchets nucléaires? Jusqu'en 1992, on a lancé des barils de 5 kilos. C'était autorisé, ça a été interdit par une directive européenne en 1992 au large du golfe de Gascogne, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? On va les mettre sous terre. Mais moi, je n'appelle pas ça régler le problème des déchets. Mais on envoie tous nos déchets... tous nos déchets, je ne parle pas du plastique, mais on envoie tous nos déchets informatiques, tous nos déchets de smartphones, on les envoie soit en Afrique, au Nigeria, soit dans des pays indonésiens. Enfin, je suis effaré quand on me dit qu'on règle le problème des déchets. Enfin, moi, le zéro déchet, pour moi, ça n'existe pas, parce que chaque fois que je vais dans une réunion zéro déchet, je demande à la personne qui me parle de zéro déchet, je lui dis, vous n'avez pas de smartphone alors? Vous n'avez pas de téléphone portable, vous n'avez pas d'ordinateur. On me dit, mais là, ce n'est pas le problème. Je dis, si, c'est le problème, il est là. Alors, je ne suis pas, évidemment, je suis assez technocritique, mais je vis dans mon temps, donc j'utilise l'informatique, mais ce n'est pas ce que je vis dans mon temps. Voilà. Et je ne sais pas, moi, ce que j'ai vu dans le film, ce qui pourrait arriver, qui va arriver, c'est... juste, on va être submergé par nos déchets, quoi, parce que de toute façon, on va pas pouvoir partir. Hein. Et après, je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit sur la civilisation du poisson rouge et effectivement le fait de la captation de notre attention et de notre langage et de notre cognitivité par par les GAFA, en fait. Voilà. Et moi, ce qui me déçoit, c'est que j'ai l'impression qu'on va dire, voilà, en fait, c'est un peu ce que disait Charbonneau ou Ellul, quoi, c'est la technologie qui va détruire qui nous a amené là un peu où on en est. Et on va croire que c'est les GAFA qui vont nous sauver. Non, mais... C'est la BNL qui va nous sauver. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, ça me fait peur, quoi. Bon, je m'en fous, j'ai 57 ans. Mais... non, mais je voulais... Voilà, mais moi, je sais pas quoi, ça me fait faire. En réalité, la peur est quand même le sentiment le plus normal face à ça. Et toute l'inflammation du débat là, elle répond à la peur. C'est-à-dire que autant quand on dit les gens ne s'en rendent pas compte, ce que disait monsieur tout à l'heure, je pense que les gens s'en rendent compte, mais c'est très dur de voir le mur arriver et de le faire. C'est très, très humain de nier et de ne pas vouloir voir. Il y a une chose, en tout cas, qui va peut-être dans le sens de ce qui a été dit dans cette incompréhension. En tant qu'observateur, en tant que citoyen, en tant que consommateur, ça fait 20 ou 30 ans que j'entends parler de l'éco-conception. Et par contre, effectivement, là, on peut être en colère de manière objective, parce qu'il y a le travail de l'éco-conception devrait permettre que les objets qui sont produits soient conçus pour être recyclables. Ça n'avance pas. Alors là, par contre, on peut avoir une colère qui est objective, qui ne résout pas de manière radicale, mais qui devrait nous permettre, ce que disait Franck sur le fait que nos déchets devraient devenir des ressources pour d'autres situations, etc., pour arriver à une circularité, nos industriels, et c'est nous en tant que citoyens qui devons demander, qui devons faire les choix d'objets qui soient recyclables. C'est nous qui devons demander cette éco-conception. Nous sommes incapables de produire, de vivre dans une société sans déchets, par contre, on peut avoir une exigence à l'égard de nos industriels pour qu'ils bâtissent autre chose que du déchet qu'on jette au loin et dont on ne veut pas entendre parler. Sur ce, je vous remercie, Christian. Je vous remercie tous les cinq.